Yeah? You speak good English? A little. I don't speak any Dutch. Uh-huh. And I've got a crazy question for you. Tell me. Okay. I'm just a normal bloke, okay, with a wife and a kid that needs to get back home, okay. And now, the cheapest way for me to get there is the Auto bus called Eurolines. I'm 68 Belgium crowns short, Belgium Euro, Dutch Euros short of getting home. My name is Gary. Mm-hmm. I'll write my name, my address, mate. I'll even let you photocopy my passport. Everything. J'ai été arnaqué. Ça aurait pu être vous, c'est tombé sur moi. Le scénario parfait. Gary. Il dit qu'il s'appelle Gary, qu'il s'est fait voler son portefeuille, qu'il est dans la merde et qu'il a besoin d'argent pour rentrer chez lui en Norvège. Un scénario en béton. Un vrai pro. Je tombe dans le panneau. Mais quand on tape son nom dans Google, et merde, c'est fascinant. Des tas de personnes sont tombées dans son piège. Mot pour mot, le même scénario, partout en Europe depuis des années. Ce sera peut-être bientôt votre tour. Peut-être l'avez-vous déjà croisé? Qui es-tu, Gary? Pourquoi mettre autant d'intelligence dans un boulot pareil? Pourquoi donnes-tu chaque fois le même nom? Est-ce que tu joues un jeu? Ok, alors, je serai ton adversaire. Je me donne 10 semaines pour remonter la piste de ce personnage, reconstituer son histoire en allant rencontrer ses victimes, en étudiant les techniques d'arnaque. Suivez mon enquête en temps réel, un documentaire interactif auquel vous pouvez vous-même participer. 14 décembre 2009. Je me suis lancé dans une expérience d'enquête interactive sur Internet, sans trop savoir où ça va me mener. Et voilà, c'est parti pour 10 semaines, 70 jours d'enquête à la recherche de Gary. Voilà, je me sens un peu poussé dans le dos, comme si on me forçait à sauter du grand tremplin, parce que c'est une expérience un peu inédite. Hein. C'est un documentaire qui va être diffusé à la télé et sur Internet, en même temps qu'il va être créé, donc, et avec l'aide du public. Donc c'est excitant. C'est parti. Installation d'un véritable quartier général. Neil va me seconder sur ce projet. Mon producteur est aussi sur le coup. On a fait construire un site internet pro. Une page Facebook. Les gens pourront entièrement interagir avec l'enquête et même la financer en devenant producteur. Le but est de faire 2 épisodes par semaine sur l'avancement de ma recherche, qui passeront au fur et à mesure sur Act, une chaîne de télé flamande. Premier épisode, est-ce que je suis vraiment naïf pour m'être fait avoir par Gary? Ma grand-mère a son idée sur la question, et elle adore raconter cette histoire. Ah mais tu es naïf! Tu es vraiment... Eh ben Jean-Baptiste, moi jamais je ne me laisserai avoir comme ça. Mais alors, voilà qu'il se met à pleurer. Mais des vraies larmes. Oui. Donc, quel bon comédien. Mais alors donc, Jean-Baptiste est allé avec lui au banc contact. Et au lieu des 88 francs qu'il lui réclamait... 88 euros qu'il réclamait pour payer son billet, Jean-Baptiste lui en a donné 100 pour qu'il puisse acheter une tasse de café, pour qu'il puisse acheter un petit quelque chose à côté. Je ne comprends pas comment tu as pu être naïf à ce poil. Where is Gary? Who? Wel, dat hoort u straks. Een heel goede avond. Dit is Babel. Je ontmoette Gary in een station. En toen? In het station. Anderhalf jaar. Ce premier épisode est à peine diffusé qu'une radio s'intéresse déjà au projet. C'est rare pour un documentaire. Hij geeft altijd de adres van zijn ex-vrouw. Premier article de presse illustré par un pingouin bleu. Mais pourquoi donc? On se rend compte que c'est la première image qu'on trouve dans Google en tapant « Where is Gary ?» et c'est ce qu'a pris de Morgan sans réfléchir. Is that some crap? Le principe est que les gens peuvent me conseiller dans l'enquête au fur et à mesure. J'espère même retrouver d'autres victimes de Gary. Et c'est ce qui se passe déjà sur la page Facebook, qui devient tout de suite le centre du projet.
Floris, par exemple, s'est reconnu dans l'histoire. Il s'est fait avoir par Gary il y a déjà plusieurs années. Il habite aussi à Bruxelles. Je vais le rencontrer pour mon deuxième épisode. Bienvenue. Het is echt een verrassing. We zaten gisteren aan het ontbijt en we luisterden zo naar Radio 1 op het internet. En ineens zei mijn vriendin van... Huh, wat was dat? Arnaqueur, Gary Wilson, kent jij dat? Oh putain, ja, Gary Wilson, ik ken die. En ik natuurlijk in alle staten. Daarna, mijn vriendin die dacht echt van... Allee, hoe kind en naïef ben je eigenlijk dat je daar ooit bent gevallen? Mij zou dat nooit gebeuren. Ik denk dat hij een bus wil pakken. Precies, dat zou je daarvan doen. Dus een bus, waarschijnlijk Euro... Die buslijn... Met Eurolines. Eurolines, ja. Dat is het. Dus, en hij begon dan te wenen en dan... Moi, j'ai craqué. Als iemand begint te wenen en ik was toen zelf al... ik had zelf niet veel geld, ik had er direct mee te doen. En hoe komt het dat je al die elementen nog van buiten weet? Omdat ik telkens aan hem terugdenk... Wanneer dat er iemand mij om geld vraagt in straat, vroeger was ik daar gemakkelijker in. En nu, telkens als iemand mij zo'n verhaal vertelt, heb ik zoiets van, nee, sorry. Iemand heeft het voor u verpest. Misschien had ik u wel geld gegeven, moest ik die gast niet zijn tegengekomen. Dit was, by the way, de gegevens dat hij had achtergelaten. Hi. Ik weet niet of hij hetzelfde adres aan iedereen geeft. In Noorwegen. Met dan het telefoonnummer van zijn vrouw, Teuna. Zo was zijn schuldbewijs. Ik heb zijn schuldbewijs bijgehouden. Van, daar kan ik hem ooit presenteren van... Hey, you owe me some money, man. Give me my 80 euros back. Floris n'est que le premier d'une longue série. La presse s'empare de l'histoire et la couverture médiatique est inespérée. C'est une première sur le net, une enquête collective et interactive pour retrouver un arnaqueur. Jean-Baptiste werd anderhalf jaar geleden slachtoffer van deze oplichting. De eerste vraag dat hij altijd stelt aan iedereen is: spreek je Engels? Ask me if I spoke English. Do you speak English? La médiatisation du projet me permet d'entrer en contact avec de plus en plus de victimes qui ont eu exactement la même expérience avec Gary. Geloof ik 60 euro gegeven. Het is 100 euro. 150 euro. It was 200 euros. I gave him 100 pounds. Il y a un distributeur qui ne fonctionne pas. Et tout de suite, il me dit, mais il y en a un autre, au moins un. Et je me dis, tiens, il connaît bien la gare quand même. He was average build, red hair. I think he had a beard at the time. Caterpillar boots on, like the sandy colored caterpillar boots. Also, backpacker, he gave me all his details. Gary parvient à obtenir une confiance totale de ses victimes. Il donne l'impression de se jouer d'elles en laissant toujours les mêmes indices derrière lui. Il propose même de photocopier son passeport. Il me note donc ses coordonnées. His phone number, his email address. An email address, the name of his wife. Le numéro qu'il donne ne fonctionne pas. Idem pour l'adresse email. Je l'avais essayé au moment où je croyais toujours en sa bonne foi. C'est marrant de relire cet email maintenant. Bonjour Gary, j'espère que tu es bien rentré chez toi. Désolé pour mes doutes avant de t'avoir aidé. J'espère que tu ne garderas pas un trop mauvais souvenir de la Belgique. Voici mes informations bancaires pour le virement. J'ai été loin de me douter. Et il y a l'adresse en Norvège. Il y a fort à parier que Gary y ait réellement vécu. Mais cette adresse se révèle être assez vague. Ik heb een week daarna een brief gestuurd naar Noorwegen, naar het adres. Ja. En die is teruggekomen. Dus toen heb ik zijn naam eigenlijk bij Google ingetypt en toen kwam ik erachter hoe de voorwerp in de steel zat. And that's when I found all the testimonials enzovoort. And I thought, damn it. That is bad. On est le 27 décembre. J'aurais jamais cru pouvoir collecter autant de témoignages en deux semaines, donc ça part sur les chapeaux de roue, même si j'ai encore vraiment rien de concret pour savoir où est Gary maintenant. Mais bon, il me reste 8 semaines et 16 épisodes, donc ça roule.
L'épisode suivant m'est inspiré par une internaute qui conseille un livre sur la manipulation, coécrit par Jean-Léon Beauvois, sommité de la psychologie sociale contemporaine. C'est un individu seul. Or, un individu seul, c'est ce qu'il y a de plus malléable. Eh bien moi, je ne fais pas les choses à moitié. Me voici à Nice pour le rencontrer, pour décrypter les techniques de Gary. C'est la manipulation, c'est essentiel. Ne pas donner l'impression que l'on plaide, que l'on veut persuader. C'est le pied de la porte. Hein. Accepter une conversation, puisqu'il vous demande l'anglais. Ouais. Si vous parlez anglais, c'est en soi un acte. Vous, si vous répondez oui, vous acceptez dans une conversation. Gary jouerait un jeu dans lequel il prend plaisir à prendre des risques, tester les règles, sonder les limites. Un jeu auquel j'ai pris part. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui me trouble, c'est le fait qu'il donne quand même son vrai nom. Je croyais que Gary, c'était un nom comme ça. Donc, il donne son vrai nom. Il donne son passeport. Donc, manifestement, il prend aucune précaution. Il ne prend aucune précaution. Donc, ça... Alors qu'il pourrait, comme vous le dites vous-même, en prendre. Donc, ça veut dire qu'il s'en fout de ça. Ou ça veut même dire qu'il joue avec, que c'est... Je suis au-delà de ça. Oui. Jusqu'où je peux aller. Et je peux aller, à la limite, vous voulez ma photo, je pourrais donner... Il vous la donne. Et la première fois, c'est jouissif. Je suppose que c'est jouissif. La deuxième fois, c'est encore jouissif. Puis, après, ce qui devient jouissif, c'est que ça continue. Je ne vais pas chercher des explications psychologiques, hein, j'ai horreur de ça. Ah oui, c'est quand même pas mal. S'il fait ça 15 fois par jour, c'est pas mal. Hein. Ah, s'il fait ça 15 fois par jour, il gagne bien sa vie, ça. Ouais. Mais il a un job, quoi. Étape suivante, Hervé, qui avait demandé à Gary une copie de son passeport. C'était à Anvers, en 2003. Anvers-Berkem. Gary est passé ici. J'ai la drôle de sensation de marcher dans ses pas, de devenir proche. Dit is not originaire. Je compare avec Hervé les différents numéros de téléphone, mais rien de neuf. Pourtant, à l'époque, il avait réussi à avoir quelqu'un au bout du fil. Nee, op zijn paspoort is het nummer volledig anders. Ik denk dat ik niet de enige ben die naar op een of andere manier naar de familie heeft contact genomen via brief of telefoon. De mensen toen hadden vriendelijk gevraagd om geen contact meer te nemen met hun. Dat zij geen contact meer wou met het verhaal van Gary. En volgens mij was het nogal onroerend, het gesprek. En het was echt van, alstublieft, valt ons niet meer lastig. En het verhaal dat elke keer terugkomt, dat hij zijn rugzak is verloren. Een kleine rugzak, niet zijn grote rugzak, de handbagage. Met boeken voor zijn kinderen, als ik mij goed herinner. Zelfs speelgoed. Was mijn idee van... is er ooit kinderen geweest? Ik denk het wel. En dat hij ooit misschien wel een belangrijke persoon was. Omdat hij toch wel een zekere standing had. Well educated. Dans ce dernier épisode, il a fallu savoir si je brouillais le visage de Gary ou pas. Je l'ai fait. J'espère que c'est la bonne décision. En fait, tout va tellement vite que dans un projet comme celui-ci, en live, il faut toujours prendre à toute vitesse les bonnes décisions. Il faut aussi apprendre comment gérer les réactions du public, leurs conseils et tout ça en temps réel.
Mais c'est excitant. Je vais continuer à creuser la piste du numéro de téléphone. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'essaye de trouver les nouvelles coordonnées de cette fameuse personne que Gary renseigne à chaque fois. Et grâce à différents moteurs de recherche téléphonique, je finis par trouver son numéro. Je prépare bien mon appel. Si ça marche, c'est une mine d'informations qui s'ouvre à moi. Hello. Hello, am I speaking to... Yeah, hello. Hello, I'm Jean-Baptiste Dumont. I'm calling from Belgium and I am a filmmaker. I am making a documentary about Gary Wilson Flood. Are you? I know you have been contacted a lot about him. Okay. I haven't spoken with him for nearly 10 years. Okay. And actually, I was wondering if I could meet you for kind of interview to speak about him. Oh. It would be really interesting. I have to think about it. Yeah, sure. Maybe I could write you an email with a description of the project. And, yes, that would be okay. And then we can exchange about that, and then you can tell me if you... L'ex de Gary m'envoie un gentil email en réponse. Depuis 10 ans, elle a été contactée par de nombreuses victimes qui veulent récupérer leur argent. Elles viennent d'Allemagne, Norvège, Danemark, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni. Sa mère est aussi régulièrement contactée, car c'est son numéro qui figure sur le passeport de Gary. Elle dit qu'elle ne veut pas témoigner à propos de lui, car il est en fait le père de son fils. Maintenant, elle a une vie heureuse et elle veut en finir avec cette histoire. Voilà, en fait, j'en ai appris beaucoup plus sur Gary que ce que j'ai dit dans le dernier épisode. Son ex a en fait donné plein de détails sur la relation difficile qu'ils ont eue ensemble pendant des années et des années. C'est très touchant. Mais je ne peux pas en parler, et de toute façon, même si je pouvais en parler, je n'en parlerai pas par respect pour les personnes concernées, notamment le fils, hein, donc qui n'est au courant de rien, et que si un jour, s'il tombe sur le site, il risque d'apprendre à connaître son père via ce que moi j'aurais dit. Donc c'est vraiment... une grosse responsabilité à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et je crois que c'est un peu un revers de ce projet en live. Donc maintenant, pour ne pas devoir jouer les fouilles merdes, j'aimerais bien vraiment pouvoir retrouver Gary, évidemment. Et là, le détective que je suis se retrouve un peu dans une impasse. Tiens, pourquoi pas justement rencontrer un vrai détective pour savoir ce que lui ferait. Sa date de naissance, on a sa date de naissance ici, 16 juillet 66, 19 juillet 66. Un mardi. Faut remonter, hein. Le numéro, ouais, le numéro du passeport. Difficile de retomber dessus. Donc en Angleterre, je connais pas trop le système anglais au niveau des identités, mais il y a en tout cas, je pense au niveau du système électoral, je crois qu'il y a des informations aussi publiques. Je crois qu'il y a des sites publics, je pense, où vous pouvez éventuellement avoir des informations par rapport à un nom. Je crois. Difficile. Franchement, je crois qu'il va falloir avoir beaucoup de patience. C'est peut-être pas cette année que vous allez le rencontrer, ça peut prendre très longtemps, comme jamais y arriver. L'électoral roll. Avec cet outil, pour quelques livres sterling, il y a parfois moyen de savoir qui est marié avec qui est l'enfant de qui. C'est assez fastidieux, mais à force de recoupement avec les pages blanches en ligne, je constate que des personnes pourraient avoir un lien de parenté avec Gary dans la région de Brighton. Je me mets à appeler tous les Floods de Brighton. Pour quelqu'un qui n'a jamais aimé téléphoner, je suis servi. Hello, am I speaking to Mrs. Flood? Yes. It is Jean-Baptiste Dumont calling. I'm calling from Belgium. I am a filmmaker and I am making a documentary about Gary Wilson Flood. And I wanted to know if it is a relative of you or someone you know.
No. Gary, no. No? What is the name again? Gary Wilson Flood. No, that doesn't mean anything at all to me. Okay, then it's a mistake. Sorry. Okay. Thank Bye. You. Bye. Bye. Hello? Hello, are you Mr. Flood? Hello? Hello, am I speaking to Mrs. Flood? Hello? Hello, am I speaking to Mrs. Flood? Hello? Hello, am I speaking to Mr. Flood? No. Gary Wilson Flood. No. No, I don't know Winston Flood at all, I'm sorry. No? Okay, then it's a mistake, I'm sorry. I am a filmmaker from Belgium. No, thank you. No, no. A relative, because you have the same name. But it has nothing to do with you, apparently. No, I don't know. I am a documentary maker, and I've been told you are the mother of Gary Wilson Flood, aren't you? Actually, he has become quite famous in Belgium for being a con artist. Oh my goodness. Alors que je pensais rester mesuré et nuancé avec ce projet, ce soir, j'ai merdé. J'ai été indélicat. La mère de Gary est une très vieille dame. Je partais du principe qu'elle était au courant de la situation de son fils, mais ce n'était pas le cas. J'aurais quand même dû penser une seconde qu'elle n'était pas au courant et mettre des gants. Elle me dit quand même que Gary a des frères et sœurs. Ça fait 4 ans qu'elle n'a plus de nouvelles. La dernière fois qu'il l'a appelée, elle lui a répondu qu'elle ne savait même plus qu'elle avait un fils nommé Gary. Puis, elle dit qu'elle raccroche parce qu'elle est trop triste. Drôle de sensation de savoir que, quelque part en Angleterre, une vieille dame passe une mauvaise soirée à cause de moi. Certains internautes se demandent si l'arnaqueur est bien celui que l'on croit. Car il y a des incohérences dans l'histoire même de Jean-Baptiste Dumont, certaines dates ne collent pas, et à la SNCF... Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que la véracité du projet est mise en doute. Et voilà, aujourd'hui j'ai été taxé de menteur par le site internet français lepost.fr. C'est une drôle de sensation, parce que c'est pas tant l'article qui m'a fait cet effet-là que les réactions que j'ai maintenant sur Facebook des gens qui disent qu'ils sont vraiment déçus par le projet et qu'ils sont plutôt portés à croire ce qu'on dit dans cet article du Post. C'est là que je me rends compte que même les patrons de la boîte de post-production ont des doutes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que je vous soyez convaincu? Bah, il faudrait un interview avec Gary, quoi. Simple comme ça. Je contacte le journaliste du Post.fr pour comprendre son acharnement. Cette histoire m'intéresse beaucoup, du coup. Enfin, je me suis pris au jeu et j'ai passé un petit peu de temps à chercher des... à recouper, à faire une web enquête aussi de mon côté. Pas sur Gary Wilson, mais sur... Sur votre documentaire sur Gary Wilson, du coup. Oui. Que votre histoire d'arnaqueur soit elle-même une arnaque, j'aimerais bien ça, parce que ça montrerait qu'on avait quand même une bonne intuition, mais... Mais encore une fois, peut-être que ce que vous dites est totalement vrai et vous n'aurez pas triché. Mais tant mieux, quoi. C'est encore l'histoire est encore plus belle s'il y a un vrai Gary, s'il y a une vraie enquête. La journaliste du Télémoustique avait eu des doutes aussi. Mais pourquoi donc ? J'ai eu un même sentiment à la première visite du site. J'étais... Comme je te l'ai dit, un peu surprise par la page « Devenez producteur du projet » avec les logos Visa, Mastercard et tout. Là, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre parce que... » Bon, moi déjà, dès que je vois ça sur une page, je me dis « je me méfie et tout ça. » Et puis, je me suis dit... J'ai vraiment essayé de tourner dans ma tête ce qu'il pourrait y avoir comme intérêt de ta part à monter quelque chose comme ça. Et je n'en vois pas d'autre que de créer un support nouveau, de faire un nom, et voilà, de créer un job, et voilà. Donc moi, ma conviction, c'est que si c'est faux, vous êtes vraiment très très fort. Est-ce que je passe pour un menteur aux yeux de tous ? Oh, eh ben, oh là, ça c'est dégueulasse. Eh ben, oh ben mince alors. On disparaît du web, mais enfin, ils te suspectent vraiment.
Ah, purée, c'est fou, ça. Peut-être qu'ils ont raison. Ah bah évidemment que non, hein. Bah, ça certainement pas. Non, je te connais assez, Jean-Baptiste, pour savoir que tu es l'honnêteté même. Mais c'est vrai. Mais enfin... Bah non, hein, JB, je te connais. Tu crois? Bah oui, évidemment. Et c'est pour ça que t'es venu me frapper à la porte l'autre fois, j'ai besoin de parler à quelqu'un, quand t'as eu la mère de Gary au téléphone et qu'elle s'est mise à pleurer. Tu t'es dit, ah, je vais aller encore un petit peu faire croire encore plus à Sophie. Mon ami Seb avait joué le rôle de Gary dans le trailer. Lui, c'est la nature du projet qu'il n'approuve pas complètement. Par rapport à ton projet, Jean-Baptiste, et je te l'ai souvent dit, enfin on en a souvent parlé, il y a quelque chose, moi, qui me bloque. C'est que j'ai l'impression, j'ai vu sur Internet qu'il y avait 700 fans de Facebook, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande communauté, et puis il y a Gary. Et je vois dans ma tête une image de toute cette grande communauté de gens pas contents ou de gens qui veulent retrouver Gary. Et puis Gary qui est peut-être un gars très bien mais paumé. Porte de Namur. Mais je pense que si réellement, un jour, Jean-Baptiste, tu es dans la merde, et que réellement, t'as volé ton sac, que réellement, t'as plus de fric et que t'es en Finlande, et que tu cherches quelqu'un pour t'aider dans la gare, et que t'expliques de manière totalement vraie ce qui se passe, et que la personne refuse parce qu'elle a vu ton projet. Merci, merci. Merci au peuple Pérou. Ces derniers jours, y a rien qui va. Plein de gens pensent que le projet est monté de toutes pièces. Il y en a qui trouvent que c'est pas éthique. J'ai l'impression que je dois rendre des comptes à tout le monde. Je crois que ça doit être un peu comme Gary, finalement. La sensation d'être seul contre tous. Et pour couronner le tout, il me reste que 18 jours et l'enquête est vraiment bloquée. Lueur d'espoir. Je reçois un email d'un Hollandais, Diederik, qui dit qu'il vient d'être victime de Gary à Amsterdam. En toen dacht ik opeens, laat ik eens op Facebook zoeken naar deze meneer. Of op het internet, sorry. En toen vond ik op Facebook jouw pagina. Ik geloof dat jij het begonnen bent, hè? En toen kwam ik daarop. En toen vandaag dus realiseerde ik me, oké, ik ben belazerd. Ja, het deed me wel pijn dat ik dus dat iemand mij oplicht. Maar ook dat ik blijkbaar goedgelovig ben. En dat toelaat, want het is niet alleen zijn fout, als je van fout kan spreken, maar ik doe daar ook aan mee. Hartelijk dank. Monsieur de Hans. En een goede avond, hè. Goeie avond, hè. Dag. Dank u. Salut. Gary est à Amsterdam. D'un coup, ça le rend plus concret, plus réel. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom in deze internationale trein met bestemming Amsterdam Centraal. Onze volgende halte zijn Den Haag, Holland voor Schiphol Internationaal. À force d'en parler, il devenait un peu abstrait. Là, il existe vraiment. Il a dû faire le même trajet. Il doit être là, quelque part à Amsterdam, en train de marcher, manger ou arnaquer. Amsterdam Schiphol est le troisième aéroport du monde en termes de trafic international. J'y retrouve Diederik. Hey man. Hey. Ik kwam net aan van vakantie uit Basel. En toen ging ik mijn treinkaartje kopen. Daar heb je allemaal apparaten waar je treinkaartje kan kopen. En toen sprak hij me aan. En na zijn verhaal aangehoord te hebben, dacht ik, nou goed, ik moet geld hebben. Maar ik heb geen geld, dus ik heb een bank nodig. Hij wilde 65 euro hebben. En uiteindelijk heb ik hem 70 euro gegeven.
En we hebben nog aan de mevrouw achter het loket gevraagd of ze een pen en papier had. Want dan gingen we de gegevens uitwisselen. Zij zijn, hij zijn banknummer, of nee, niet banknummer gegeven, maar wel zijn adres en van zijn vrouw en e-mailadres. En ik mijn gegevens. En ondertussen zat hij de hele tijd me af te leiden. Hij wilde dingen weten als, en wat doe je in je dagelijks leven en waar woon je en al die dingen. En dat irriteerde me grenzeloos. En ik snap ook nou waarom hij dat gedaan heeft. Omdat het gewoon een goede tactiek is om je steeds af te leiden. Zodat je niet gaat nadenken over wat voor een truc die eigenlijk uithaalt. Hij speelt in op je gevoel van een menselijkheid ook. Want hij is heel zielig. Hij moet naar weet ik veel waar, middle of nowhere in Finland. Ik bedoel, het noordelijkste puntje. Niemand woont daar, behalve hij. En hij kan daar niet komen. En het is berenkoud buiten. En je moet me helpen. En hij doet dat op zo'n geraffineerde zielige toon. Dat is gewoon gruwelijk. Zo'n zielig mens wil je het liefst niet meer in je leven hebben. Dat is niet normaal. Dus eigenlijk heb ik hem geld gegeven ook om van hem af te komen. À tout moment, je me dis qu'on va peut-être croiser Gary au détour d'un couloir. Qu'est-ce que je fais si Gary est là? J'aimerais rentrer à nouveau dans son jeu, me laisser avoir, explorer les moindres détails de son scénario. Et puis, soit le suivre discrètement, soit tout lui expliquer. Les médias hollandais commencent à s'intéresser eux aussi à l'affaire. Pas mal. En ce moment, le nombre de vues des vidéos et le nombre de fans Facebook augmentent déjà considérablement. Notamment grâce à l'article du Post.fr. Laten we bij het begin beginnen. Wie is Gary? Gary is een oplichter. Hij zegt dat hij... En dus hij heeft echt geld nodig. Ja, hij moest... En mensen kunnen hem tips geven via Facebook. Een foto van Gary wil hij niet laten zien. Ja, ik heb een foto van hem, maar ik wil het niet tonen in mijn vins enzovoort, want ik wil niet dat een mensenjacht wordt. Ergens hier op Schiphol is Gary dus voor het laatst gezien, zegt de regisseur. Maar bestaat Gary eigenlijk wel echt? En Gary bestaat echt? Ja, ik heb geen wraakgevoel. Ik ben echt gefascineerd en ik zou graag hem ontmoeten om echt vragen waarom hij zo doet. Je me rapproche du but. C'est une drôle de sensation de savoir que Gary et moi partageons probablement le même espace. Mais je dois m'interrompre temporairement pour participer à une grande émission télé en Belgique, The Last Show. Dag Jean-Baptiste, welkom. Dag. Where is Gary? Dat is een website, een reeks op de zender 8. Ja. Het wordt een documentaire. Dit is wat je grootmoeder vond van jouw edelmoedigheid. Je ne comprends pas comment tu as pu être naïf à ce point-là. Raymond, zou jij geld geven als iemand je zo'n verhaal vertelt? Ik denk van wel. Ik denk dat ik zelf zoiets gehad heb, maar niet met zo'n bedrag. iets minder. Je ziet er ook zelf zeer, zeer lief uit. Dat zal het ook wel zijn. Hè? Meneer De Bie, zou u als nationale mental coach naïviteit aanmoedigen of afraden? Wel aanmoedigen, want voor hetzelfde geld... Is het iemand die echt was het wel. Ja. Dus dat moet niet in de kiem gesmoord. Maar wat mij fascineert op een... Meen op een internetsite, vraagt u ook geld aan de bezoekers, de kijkers... om u te steunen in het maken van de documentaire. Dat is volstrekt legitiem, maar dat vond ik zo fascinerend. U doet het ook. Ja. Is dat zo? U leert snel. Ja, maar al die video's zijn gratis te zien op internet natuurlijk. Het is niet zoals een bioscoopticket te kopen. En we hebben geld nodig om zo een enquête te doen natuurlijk. Ja, uiteraard. En wat ga je zeggen als je hem ziet? Ik ga... probeer te babbelen en op zijn kant te gaan. Ik ga niet beginnen te zeggen, je bent een slechte gast of zo. Ik denk dat het een betere manier is om met hem... om te zeggen misschien, je bent goed. Leer mij hoe je het doet. Ik weet niet, maar... Ja. Anders gaat hij direct... Gaat hij ervan door. Ja.
Binnenkort zien we hoe het afloopt op 8. En in jouw documentaire film. Bonne chance et merci beaucoup, Jean-Baptiste Dumont. Venu de nulle part, un certain Michael me téléphone. Hello, Jean-Baptiste. Il me fait sérieusement comprendre que je dois arrêter ce projet insultant. You want to expose him? You want to shame and ridicule him? No, 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 that's really not my point. Of course not. Understand, I just want you to understand that Gary fears no one. I fear no one. I don't fear death. You're now going to meet me. You have no choice. You say you continue the film, you must meet me. Je fais écouter un extrait de la conversation à Neil et Peter. Perhaps you will not be able to do a film. Why? I will eliminate either you or Gary. Come on. Come on what? I have nothing to lose. I have nothing to lose. Voilà, juste un bête de cette fois-ci, tout de suite. Plutôt que de m'assassiner, Michael a réussi à faire fermer la page Facebook en la signalant comme diffamante. On se rend compte que Facebook était vraiment le centre nerveux du projet, qu'on en est complètement dépendant pour communiquer avec le public. Et là, en un claquement de doigts, on perd tous les fans et le contenu, et on n'a aucune prise. Ce que Facebook veut, Dieu le veut. À côté du fait qu'on ait perdu Facebook, la grosse question, évidemment, c'est est-ce que n'a pas fondamentalement raison. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu, avec ce projet, au niveau éthique? Je pense que non. Je crois quand même que j'ai pris toutes les dispositions pour rester correct. J'ai la photo de Gary depuis assez longtemps qu'un internaute m'a donnée. Je ne l'ai jamais publiée. Donc je crois vraiment qu'on est loin d'une chasse à l'homme. Et bah, comme je suis toujours en vie, je vais en profiter pour continuer sur la lancée, puisque je pense quand même que je me rapproche du but. Retour à Schiphol. Il ne me reste que quelques jours. Je me dis que la meilleure manière de rencontrer Gary, c'est de passer du temps ici. Je commence à bien connaître l'aéroport, les couloirs, les heures d'affluence, sûrement comme Gary. On devient proche finalement. Goedag. Ik ben een enquête aan het maken over een oplichter en ik zou graag willen weten of u hem gezien hebt. Wat is er met die meneer? Hij is een oplichter en we maken een enquête over hem. Als ik hem tegenkom, dan zou ik hem onthouden, het gezicht. Ik zou graag willen weten of jullie hem al hebben gezien. Hij is hier vaak bezig. Ja. En ik maak een... Kun jij hem? Ja. Ja? Het is die hier geplast hebt, toch of niet? Is dat zo? Ja, hij sprak gewoon Engels tegen mij. En hij zei ook dat hij een reiziger was. En dat hij hier een koffie had en dat hij niet goed was. Oké. Hij was hier. En dan weg. Met een grote rugzak. Ja, ik ook dat. Je le suis, mais sans le trouver. Jusqu'à ce que j'ai l'impression de le voir par la fenêtre d'un café. Mon cœur bat à 100 à l'heure. C'est Gary. Je suis assis à une table tout près de lui. Le grand moment est donc arrivé. C'est très bizarre. J'observe, j'ose à peine regarder dans sa direction. Tout correspond. Pas grand, roux, la quarantaine. Il parle avec une table voisine dans un anglais très british. Un grand sac à dos traîne à terre. Et pourtant, cet homme est tellement différent de l'image que je m'étais faite de lui depuis tout ce temps. C'est déconcertant. Il parle fort, il est du type jovial, extraverti, blagueur, bref, exactement l'inverse de moi. Je me sens complètement en position d'infériorité, cloué sur ma chaise. Je prends deux photos discrètement. Bière, cigarette, café, il s'en va. Il passe devant ma table. Il me dit quelque chose.
J'ai pas compris. Il sort. Je crois pas qu'il m'ait reconnu, pas après 2 ans. Je le suis. Il a une démarche sportive. Il marche vite. Son sac à dos est recouvert d'une housse de protection jaune vif. Difficile de faire plus voyant. Je le perds. Puis, je le retrouve en train de faire son coup. C'est pas vrai. Il est en train d'écrire ses fameuses coordonnées. Qu'est-ce que je fais? Je me sens de nouveau pris de court. Est-ce que je vais à la rescousse de cet homme d'affaires qui est en train de perdre 100 euros? Dilemme. Non. On risquerait de partir sur de trop mauvaises bases. Je laisse faire. Je le suis à nouveau, mais je le perds définitivement. Je suis dans une petite chambre d'hôtel à Amsterdam. Aujourd'hui, j'ai vu Gary à l'aéroport. Je ne l'ai encore dit à personne. C'est un peu honteux parce que j'ai été trop couillon. Je ne l'ai pas accosté. Mais je crois quand même que demain, c'est une bonne technique d'approche. C'est au moment où j'espère que je verrai encore demain. Et qu'au moment où il approche quelqu'un, je vais à la rescousse de sa future victime. Et voilà, ce serait une manière de l'aborder. Mais ça me stresse. En tout cas, aujourd'hui, ça me stresse horriblement. J'espère que ça ira mieux demain. Demain, il faut absolument. Il ne faut que quelques heures avant que je ne le croise. Mais c'est moi qu'il vient essayer d'arnaquer. Yeah? Speak good English. A little? I don't speak any Dutch. Uh-huh. And I've got a crazy question for you. My name is Gary. Mm-hmm. And I live in the north of Norway. I fell asleep on the train and I woke up, the bag is gone. Okay. The glasses, diary, keys, camera, phone, it's all gone. I'm just a normal bloke, okay, with a wife and a kid that needs to get back home, okay. Now the cheapest way for me to get there is the Auto Bus called Euro Lines. I'm 68 Belgium crowns short, Belgium Euro, Dutch Euros short of getting home. Hij wilde 65 euro hebben. Give me my 80 euros back. I gave him 100 pounds. Jean-Baptiste lui en a donné 100. That's a lot of money. I write my name, my address, mate. Il me note donc ses coordonnées. Telephone number and the address. I'll even let you photocopy my passport. Everything. Il donne son passeport. Op zijn paspoort is het nummer volledig anders. I will send you this money back. Kevin, I won't do it. I will tell you why. You did it to me already in Brussels. When? 2 years ago, I think. I did it to you 2 years ago. You are quite good. Take it easy, lad. What's your name? Not Jean-Baptiste, is it? You know my name. Jean-Baptiste. 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 Where is Gary? Jean-Baptiste? Yeah. Don't think you surprised me. If you want to make a documentary about me, yeah? Yeah. Okay. Right. You want to buy me a drink? And we're going to talk? Come on, let's go and talk. Okay, let's go upstairs and you can buy me a beer. Go on. Yeah. Oh, let's go in the bar on the corner. It's quieter. Je marche à côté de Gary. Il m'a eu. Il savait très bien qui j'étais. Je me sens tout petit. Et pourtant, c'est une grande rencontre. What I'm doing at the moment is I'm sitting at a table having a drink of beer, which been paid for me by some idiot that's given me 100 euros. Pretend I'm gonna do a... No, I'm only joking, lads. Okay, No, I'm sat here now to do an interview with John Baptiste. He wants to know how I make my life. How I make my life easier for myself when I don't have any work. I can't
can't believe that. I seen you walking up and down Schiphol Airport today, thinking I was the biggest fool in the world. But like, but that's the way it works, mate. Hey, you know, like, that's the way it works. There we go. There's Jean-Paul's phone number, mate. Hey. And that's before he even met the guy. It's the first time I've seen him in 2 years, and I already had his phone number. I mean, like, I knew the cunt was looking for me. I could have had that website taken off a long time ago. I had your phone number a long time ago. I know where you live a long time ago. I could have come and seen you a long time ago, but I didn't. The reason is because I'm a good man, you know? Many people might have come and seen you and added some harsh words of you, but I didn't. Well, I'm not a bad person. I don't do anything wrong to no one. I might pitch someone for £100 or something and not pay him back, but I don't steal. I don't rob anybody. I don't. And how do you do? I go and see someone on the street and I ask him, I tell him I need some money to get back to Norway, and I told him, that's it. Basically, I actually tell the truth, but and I ask them to lend me some money and they send me back to Norway, mate, hey, and I don't send the money back. And that's it. And I use that money to stay in the hotel or pay me food and stuff. I don't do it for monetary purposes. Sometimes if I get stuck and I really need the money quickly and I'll take a student down, I'll send their money back. A soldier, all soldiers always get the money back, you know, thank you. And people like that, you know, thank you. But Jean-Paul here, John Baptiste here didn't get his money back, mate, hey, you know what I mean, like, because he's an ugly fucker, you know what I mean, like, and I only ask men, man to man, I'll ask him for the money, and if they catch me and I don't pay their money back, well, then if I get a smack, I get a smack, and it's a man's world and man's things happen. That's the reason I always tell the truth about my name. I don't run from no one. Listen, my situation's been shit for the last 8 years. Now 10 years, it's been shit. And I fed up worrying about it. I'll just get on with it. You know, like, and when it's done, it's done. I'm going to work. The reason I'm giving this interview for is this, because on the 15th of Feb, you'll never see me in an airport or a train station pitching somebody again. You know, you can think the worst of me if you want to. Have a look into my deeper life, have a look into what I've done in my life, and then have a look round and then have a look at me and say, listen, okay, it's not so bad. I know people will say that, and I know it. Are you angry at me for doing that? Not at all, not one little bit. You could be. You had the right to do it. And that's it. Okay. If I was angry with you, I wouldn't be sat here with you now, would I? And that's a fact. If I was angry with you, mate, you and me wouldn't be talking. You know, like, well, I've been in the police station, you've been in the hospital. But it doesn't make no difference to me. You do what you want to do. What about your victims? Yeah, I do think about it a lot, but I can't keep thinking about it because it will drive me crazy. You know? The only time I do think about it when I've got no control about it is when I'm asleep and I wake up. And I think about it, and I think, what a cunt I've been. But other than, I keep control of my life, mate. Hey, the only time I can't keep control of things is in my dreams, and nobody can keep control of them. So we've all got our bad things to think about. So, that's... Come on, mate, are you not finished yet, mate? Hey, you don't mean like a... Sorry? Are you not finished yet, mate? Hey, you don't mean like a... Don't can't film anymore, mate. Hey, okay. C'était donc Gary. Sans en avoir envie, je me sens maintenant étrangement lié à lui. Je l'ai cherché à travers un projet qui a super bien fonctionné, avec la participation du public, et je l'ai trouvé, ça a marché. Mais je ne m'attendais plus à trouver une vraie personne. Un autre Gary que celui que j'avais finalement fabriqué ces derniers mois. Ou que celui décrit par son ex. C'est bizarre. Gary se considère vraiment comme un type bien. Et à côté de ça, tout le monde attend une morale, une justice. Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, 3 nouveaux témoignages sont encore arrivés. Puis, plus aucun. Gary a téléphoné 2 fois pour prendre de mes nouvelles. Je crois qu'il a vraiment décidé d'arrêter.
Où est-ce que je suis naïf ?